J'ai dû prendre une décision. Passer le poids de mon corps du pied ancré à l'immeuble à celui ancré au fil. Il s'agit probablement, je ne sais pas, de la fin de ma vie. Faire un pas sur ce fil. Et c'est tout à fait irrésistible. Et je ne fais aucun effort pour y résister, je suis appelé par ce câble. Et la mort est toute proche. Je commence à marcher comme un funambule qui étudie son câble. Et au lieu de faire une étude complète du câble sur toute sa longueur, de voir le premier cavaliti et de continuer à marcher, de voir le milieu qui est si mou et traître, d'aller voir à quoi ressemble le deuxième cavaliti, non, je ne vais que jusqu'au premier cavaliti et j'en sais assez. Et maintenant, je vais commencer mon numéro. J'ai vu son visage se métamorphoser. Il était très tendu et tout à coup, il y avait du soulagement dans son visage. Et c'est à ce moment que j'ai pensé, ça y est, il est sûr de lui, tout va bien. Et là, c'est... J'ai vu Philippe. J'ai vu Philippe là-haut et c'était extraordinaire. C'était tellement, tellement beau. C'était comme s'il marchait sur un nuage. Et il y a eu des moments extraordinaires. Il s'est couché. Et ça, c'était l'extase de voir cette image de Philippe couché là-haut. Et puis l'autre moment très très fort, c'est quand il vous sourit très. C'était tellement beau. Et quand il s'est agenouillé, il y a un moment où il s'est agenouillé et il a salué. Et donc je criais, regardez, et les gens ont commencé à se rassembler, mais. Personne ne voyait. Et ils me disent, mais qu'est-ce que vous voyez? Et je leur disais, mais un funambule, regardez, un funambule, il marche. Pendant une de mes traversées, je me suis assis sur le fil et j'ai fait quelque chose qui a étonné les gens. J'ai regardé en bas pour voir quelque chose que je ne verrai plus jamais de ma vie. Alors je peux vous dire, et c'est peut-être un mensonge, mais pour moi ça ne l'est pas. J'ai entendu la foule, j'ai vu la foule, je les ai entendus murmurer. C'était au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'était hallucinant. La portée de cet événement et l'énormité écrasante de la situation ont entraîné mon esprit tellement loin que je ne pouvais plus m'inquiéter pour lui. C'était magique. C'était profond. Monsieur Meyers et moi avons aperçu le danseur sur fil. On ne peut pas appeler ça autrement. Il ne marche pas, il danse. Approximativement à mi-chemin entre les deux tours. Et quand il nous a vus, il s'est mis à sourire et à rire. Ils ne savent pas comment réagir à un funambule qui rêve tout éveillé, allongé sur son fil et qui converse avec une mouette. Alors ils étaient très en colère.
Philippe a fait des provocations, bien sûr, puisque c'est son travail, hein, c'est son caractère en plus. C'est-à-dire qu'il se rapprochait et les gardiens voulaient le saisir, ou les policiers, je me souviens plus si c'était policiers. Et là, à ce moment-là, il faisait demi-tour, donc devenait inaccessible, puisque les gardiens n'allaient pas monter sur le câble. Quand il arrivait au bord de l'immeuble, on lui demandait de descendre du fil, mais lui, il se retournait et courait jusqu'au centre. Tout le monde était fasciné par le spectacle. Quand on s'est rendu compte qu'il n'allait pas revenir parce qu'il avait l'air d'y prendre tant de plaisir, on a fait part à son associé de notre projet d'envoyer un hélicoptère pour le cueillir sur ce fil s'il refusait toujours de revenir. L'associé lui a parlé en français. L'homme en question est en français. Philippe ! Non ? Et il a dit, la police va te déloger, tu devrais peut-être arrêter. Et j'ai été furieux, mais c'est ce qui m'a sauvé la vie. Hey, il y a quelqu'un qui marche sur un fil entre les deux tours. Oui, les deux tours du World Trade Center. Là-haut, tout en haut. Je me suis rendu compte que j'étais en train de voir quelque chose que personne ne verrait plus jamais. J'ai pensé que c'était un truc unique. Je n'avais plus aucune raison de rester sur ce fil. Et je sentais aussi l'humidité dans l'air et le vent qui montait. Mes amis m'ont dit plus tard, tu es resté là-haut 45 minutes. Et tu sais que tu as fait 8 traversées. Ils m'ont attrapé et jeté à terre, menotté carrément, les mains dans le dos. J'ai été jeté dans les escaliers, la partie la plus dangereuse de cette aventure. J'ai failli me casser la tête dans l'escalier étroit qui menait à l'ascenseur. D'après l'autorité portuaire, ils ont mis à peu près 3 jours à monter le fil. Je dirais qu'il y en a pour environ 1000 dollars de câbles. Et l'installation elle-même est incroyable, c'est magnifiquement fait. Est-ce qu'il a dit pourquoi il avait fait ? Non. Pourquoi avez-vous fait ça ? Je vous expliquerai, je n'ai pas le temps là. Vous savez, pourquoi ? Pourquoi ? Et c'était, dans ma vision de l'Amérique, une question très américaine et réductrice. J'avais fait quelque chose de magnifique et de mystérieux, et en face, j'avais un pourquoi pragmatique. Et ce qui est beau, c'est qu'il n'y avait pas de pourquoi. Pourquoi avez-vous fait ça ? Ah, c'est le millième pourquoi depuis ce matin, il n'y a pas de pourquoi. J'ai été exact.